Oh, c'est bon. C'est bon. GPS na te kamu ba ye na si ete ne ya si ane ete ye nanga hede danda konga te kwa tumba te danda kene ya si ya no yuko wokoto woko ne okbu danda na umu ya tumbe GPS na kwa mana pe no kwa mana pe ante tiange mika wa kuele tame menga makala mana pe eke kwa bwo me te bela na tene pemo ya tumbe kone ko mo de kone ya mo nenge bo ede si id ya si ana si nenge latela ko zo de ko nenge mbinga ko basolo basolo pemo si ana nenge wa gbie nenge ba a managba nenge wose wa gonu nenge ngum danda mote sita anjo tanjo tengo nenge wa mndanda mesumu nenge nanda na sotelo pemo moko ne wie na jabuka nagba te ye kanga gbia kaka o tembile o te dika ko mo ne fe kamne ne nga wo manave ke te nda me bam pe mo ya jambi ke bo wa so te lo anga ti ni na pe le mu gbo ko pe mo ye pe li a toto mu gbo ne mu mo ke nda nda ka ko to e mu gbo ne ko a li a kat nga ma ko a formation anga e ti ke ma kulete a formation anga ma selebe e e mai to mu ma le su ku de mu nya me le awa ite ebi se o mu li dia ebi se o ne a to e ma ka ke Ngane a bele bele na ngane a kambante bele e ngane nga ebe ngani nga me kat na bele anga buke pe kat na wa ko nga tengule nga si a le bebe o buke u ambeli no nga ge mo na kwa kute we a bele anga quand nous arrivons où il y a une souche ou bien une bille de bois avant d'enregistrer la souche ou la bille dans notre PDA, on doit d'abord mesurer. Vous devez d'abord mesurer avant de valider. Bon, celle-ci représente le sous-diamètre. Donc le plus petit bois qui a une dimension de 50 cm. La couleur rouge. Donc la couleur rouge, c'est le sous-diamètre. La couleur bleue, c'est le diamètre moyen. Donc l'arbre qui est déjà un peu grand là, et ça c'est 80 cm. La couleur verte là, c'est la grande dimension. Et ça c'est le diamètre normal de coupe. Ces trois couleurs sont aussi représentées dans les sous-icônes de notre PDA. Vous voyez là, il y a la couleur verte,
ici c'est le bleu et ici c'est le rouge. Ça veut dire que la dimension qu'on va trouver en mesurant, c'est cette dimension qu'on doit valider dans notre appareil. Nga jane awape eke loke otane tima nyuala woma na pape ema ekina tijo nga jaleke nga jakpikwe asuama.
Eke woman angi fe ape aje nga aje ne a eke mbungo woman angi fe ane mumhuma oku. Eko mumhuma ane oku. Eka nga oke nga agbo mwa siya eke mwa jua bele. Bon, ce projet est né de l'idée selon laquelle il était important que les communautés autochtones et locales soient capables elles-mêmes de suivre leurs forêts, suivre les activités qui s'y passent, suivre la gestion des ressources forestières. L'idée n'est pas qu'elles soient accompagnées, mais qu'elles puissent elles-mêmes utiliser des appareils, des technologies les plus avancées pour collecter des données qui permettent de lutter contre l'exploitation illégale du bois en forêt. Le projet couvre 15 communautés qui sont accompagnées par 5 organisations. Okani en fait partie et nous nous trouvons à ce moment au village Mayous qui est l'une des 15 communautés. Grâce à un appareil que l'on appelle PDA et qui comprend un système, une application GPS, les communautés sont capables de collecter des données en forêt. Ces données, elles seront gérées, des cartes seront produites. Et ensuite, les communautés pourront elles-mêmes faire le plaidoyer des cartes qu'elles ont aidé à produire. Il est à noter que ce projet, est un projet pilote. Autrement dit, outre le plaidoyer qui sera fait en ce moment, qui sera fait dans le cadre des activités conduites en ce moment, outre la création du réseau, il est question de développer, de l'étendre, non pas seulement au niveau du Cameroun, mais de l'étendre à l'ensemble du bassin du Congo. Et donc, à travers les résultats, à travers les avantages et les difficultés rencontrées sur le terrain, les acquis de ce projet pourront être intégrés dans le gros mécanisme FLECT qui est mis sur pied au Cameroun. Helvetia et d'autres partenaires, y compris dans Okani, entendent par exemple intégrer dans le futur CIGIF 2 un module qui pourrait permettre aux communautés d'introduire des données directement dans le système qui est contrôlé par le ministère des Forêts. Toutes ces idées, toutes ces perspectives ne peuvent être valorisées que grâce aux acquis obtenus du projet, aux acquis obtenus du travail avec les communautés.